tu veux progresser en technique, en improvisation et qu'en plus tu veux devenir un guitariste polyvalent, tu es au bon endroit. Salut, c'est Seb du blog guitarexploration.com. Je suis ton entraîneur de guitare et aujourd'hui je te propose une initiation complète sur la pompe manouche. Mais avant ça, pense à bien t'abonner pour ne rater aucun cours. Active la cloche et surtout, très important, like cette vidéo. C'est comme ça qu'on gagne en force et en visibilité. Parce que sinon, quand tu vas sur YouTube, t'as l'impression qu'il n'y a que le fitness qui existe. Alors que non, il y a aussi la guitare et le jazz manouche. Alors pense aussi à aller visiter mon blog, il commence à y avoir plein de trucs dessus. Et notamment des partitions gratos à télécharger, donc fais-toi plaisir. L'initiation complète à la pompe jazz manouche, c'est parti! Donc la pompe, c'est pas un petit sujet, ça va être assez dense, je te préviens tout de suite, alors accroche-toi. Et bien souvent, ça vous pose plus de problèmes que les solos, car beaucoup d'entre nous, on vient au jazz manouche en étant déjà passé par d'autres styles, comme le rock ou le blues par exemple, donc les solos, on connaît déjà. Et les solos, c'est du note à note. Alors que la pompe, faut jouer 3, 4, 5, ou 6 notes en même temps, c'est pas la même. En plus, tu peux pas t'arrêter au milieu du morceau pour te reposer, donc il faut une très bonne endurance. Donc pour faire un jeu de mots facile, c'est une autre paire de manches. Donc je te propose dans cette vidéo de décomposer les étapes qui te permettront d'y voir plus clair. Beaucoup plus clair, j'espère. Chose fondamentale à savoir, chaque musicien a sa façon d'accompagner. Si un jour tu croises un mec qui te dit « la pompe c'est comme ça et pas autrement », prosterne-toi devant lui en lui disant « je suis enchanté, Dieu omniscient, de faire votre connaissance ». Non, en vrai, la pompe, que ce soit Joseph Reinhardt, Django, Ono, Angelo, Mathieu Chatelain, qui tu veux, désolé pour ceux que je ne cite pas d'ailleurs, mais il n'y en a pas une pareille, que ce soit dans la façon de pomper ou dans les voicings. Alors ne cherche pas à absolument copier quelqu'un. Intègre plutôt les grands principes et trouve ton style, celui qui te fait vibrer. Et comme dans les solos, tu peux pas faire autrement que de mettre ta sensibilité dans l'accompagnement. Donc se faire confiance et s'assumer en chorus comme en accompagnement, c'est une part non négligeable du travail guitaristique. Ça demande de l'observation, de la transparence et de la sincérité. Alors la pompe jazz manouche, c'est quoi ? Eh bien c'est tout simplement l'accompagnement, mais c'est pas si simple. Il a même un rôle carrément primordial. Tu dois donner le rythme et l'harmonie. Donc c'est une main gauche, une main droite et une bonne synchronisation entre les deux. Et c'est vraiment une place hyper noble dans le groupe. Et ton pompiste, ou toi-même si tu fais la pompe, il faut que ça soit en béton. C'est une place de service, d'humilité et de bienveillance. Et tu soutiens toute la baraque. Si t'as une pompe pourrie derrière, tout le monde est mort. Alors moi j'ai remarqué ça. Souvent, les musiciens de la rythmique, que ce soit à la guitare ou à la contrebasse, ils sont très humbles et très gentils. C'est une de leurs caractéristiques. Donc la pompe, il faut que tu vois ça comme un train. Et le soliste, en fait, c'est celui qui se balade dans le train. Alors la question qui tue, faut-il apprendre à marcher avant de savoir courir? Souvent, on entend qu'il faut d'abord apprendre à faire la pompe avant de faire des solos. Et évidemment, tu te doutes bien que la réponse, c'est non. Moi, je pense que c'est pas du tout une obligation. Personnellement, j'ai commencé par les solos, parce que c'est ce qui me faisait rêver. C'était ma porte d'entrée dans la musique et dans le jazz manouche en particulier. Et la pompe, j'en avais mais rien à foutre. C'était tout simplement pas le bon moment. Donc c'est pas la peine de dégoûter avec la pompe si tu le sens pas. Il y a un temps pour tout. Moi j'y suis venu à force de voir des mecs accompagnés. Ça m'a vraiment donné envie, je me suis dit ça envoie, ça sonne, c'est super quoi. Et quand tu commences à avoir une belle pompe, c'est vrai que c'est super grisant. Et de toute façon, on y vient forcément à partir du moment où on joue avec d'autres musiciens. Voilà, donc moi je trouve que c'est un peu vieille école de dire qu'il faut d'abord apprendre à faire la pompe avant de chorusser. Au même titre que les conservatoires qui imposaient un an de solfège avant de pouvoir commencer un instrument. De quoi vraiment bien perdre ta motivation. Pour moi, l'important c'est que tu fasses de la musique. Après, pour l'ordre, on s'arrange. Et l'idéal, c'est de faire les deux en même temps. Tu apprends les rudiments de l'accompagnement et les thèmes en même temps. Comme ça, tu fais tout de suite le lien entre les mélodies et les accords. Accompagnement et solo. Et pour l'organisation dans le cerveau, c'est vraiment top.
Alors concrètement, la pompe, ça donne quoi? Concrètement, il s'agit de jouer les accords sur tous les temps. 1, 2, 3, 4. Planter les clous, comme on dit. Le but va être de rester droit et régulier, de ne pas accélérer et encore moins de ralentir. Alors c'est un lieu commun ce que je te dis, mais c'est toujours bon de le rappeler. Donc il y a vraiment l'idée de dérouler le tapis au soliste. Imagine le tapis rouge du Festival de Cannes. C'est pas un tapis tout crotteux, troué et qui pue. Alors, chose hyper importante, comment tu fais déjà pour pas pourrir un accompagnement? Eh bien déjà, tu commences par pas jouer trop fort. Pour moi, c'est un des pires trucs. On voit ça beaucoup trop souvent en jam. Un, deux ou trois guitaristes accompagnés comme des bourrins à ne plus entendre le soliste, et ça dérange personne. Et je ne vous jette pas la pierre, parce que moi j'ai fait la même. On était content de jouer comme des bourrins, on appelait ça rabouiner. Maintenant, je vise toujours à me mettre en retrait par rapport aux solistes. On voit très bien que ça sert beaucoup plus la musique. Et il faut s'adapter, car les solistes n'ont pas toujours le même volume sonore, donc c'est à toi de doser ton accompagnement. Sachant que tu peux rester dynamique sans jouer trop fort. Par exemple, ça pourrait donner ça. J'y vais tranquille. Ensuite, si tu accompagnes une guitare, un violon ou une clarinette, tu ajustes le volume. La pompe, c'est quelque chose de vivant, il faut être attentif à ce qui se passe. T'es comme un ingénieur du son, tu fais ton mix en direct. Alors, un mot d'ordre, la sobriété. Moi, j'ai tendance à en mettre un peu partout. C'est un peu le défaut, entre guillemets, du soliste. Mais le mieux, c'est quand même de rester le plus droit et le plus clair possible, d'éviter d'en mettre partout. Tu joues des accords simples, sans trop d'enrichissement, surtout si tu connais pas le jeu du soliste et que tu commences à le pourrir avec des altérations qui sont différentes de ce qu'il joue. Pareil, on évite de faire des relances tout le temps. Enfin, tu fous pas le bordel, quoi. Sinon, tu vas perturber tout le monde. En accompagnement, le moins est le mieux. Less is more. Allez, je vais te décomposer un petit peu tout ça. Tu vas devoir apprendre les accords typiques du style jazz manouche, qui proviennent en partie du handicap de Django. Donc il y a beaucoup d'accords 6-9, comme ça, ou comme ça, des accords mineur 6, des accords de septième, donc on a plusieurs positions pour jouer tout ça. Et tu as deux spécificités à connaître. Le pouce qui joue les basses. Et le majeur qui joue souvent deux notes en même temps. J'écrase par exemple la casse 7, corde de la et ré en même temps. Ça permet de faire ça. Ou sur un accord majeur, ça donne ça. Et ça, au début, c'est pas forcément évident à faire. Au niveau de la main droite, tu vas gratter à peu près juste avant la rosace. Si tu grattes ici, ça va être vraiment hyper sec. Si tu grattes là, ça va être trop mou. Donc c'est vraiment par là. Si tu grattes là, c'est pas top. Puis là, c'est vraiment tout mou. Donc ici, c'est bien. Alors le mieux pour moi, pour entendre les couleurs vraiment des accords du style, c'est de commencer par jouer des ballades. Et l'avantage de jouer des ballades, c'est qu'on va pouvoir se concentrer sur les positions d'accords avec un rythme simple à la main droite. Et dans un premier temps, on joue 4 temps égaux sans relâcher la pression à la main gauche. De cette façon, on va vraiment entendre la belle couleur des accords. Tu peux faire ça sur danse norvégienne aussi, c'est très beau. Etc. Ou encore sur September Song.
Tu vois, par exemple, en utilisant l'astuce de Django, en barrant deux cordes avec un doigt, tu peux faire ça. Quand tu es ici, cette position, ça c'est un sol. Tu descends tout d'un bloc, ça te donne un do mineur. Tu remontes, ça te donne un la 7. C'est la magie de Django. Donc ça suppose évidemment que tu joues déjà un peu de guitare. Si t'en es là, c'est mort. Sinon, faut commencer par le magic chord. Alors le magic chord, c'est cool, en fait, c'est un accord tout simple, comme ça, et qui va te permettre de jouer, par exemple, tout minor swing ou blues mineur, comme ça. En fait, tu décales. Magique. Alors maintenant, justement, on va ajouter l'effet de pompe. C'est la deuxième étape. Ça va consister à relâcher la pression sur le deuxième et le quatrième temps. On va donc commencer à avoir un effet de pompe sur la main gauche. Tu vois l'idée de la pompe à vélo, quand tu pompes comme ça. Bah en fait, c'est pareil avec ta main. Donc on va prendre les mêmes morceaux que précédemment et on va ajouter cet effet. D'abord sur le 2 et le 4 et ensuite sur tous les temps. Donc ça va donner ça. Sur September Song, on relâche, et ensuite on relâche sur tous les temps. Et dans la pompe swing, l'idée, ça va être de faire la même chose, mais sur des tempos plus élevés. Donc si je passe de ballade à médium, à up, en fait, c'est vraiment le même principe. C'est juste la vitesse qui change. Alors maintenant, quelques conseils pour la main droite. Ne serre pas ton médiator trop fort, sinon tu vas te crisper. Le son sera raide et le rythme va en prendre un coup, surtout sur les tempos rapides. Donc sois léger et détendu. Et ça, en fait, c'est assez facile à comprendre. Si tu prends ta main comme ça et que tu la secoues, si tu es détendu et que tu secoues ta main, là, ça va, c'est cool. Si tu serres fort, tu peux plus, en fait. Je t'ai déjà expliqué, mais c'est comme si tu accélères et tu freines en même temps. Donc la main droite sera évidemment décollée du chevalet. Ce qui est vraiment une position typique du jazz manouche, même en solo. Mais en réalité, on trouve cette technique dans tous les styles. Dans le funk, par exemple. Ça aussi en accompagnement folk. En fait, dès qu'il s'agit de laisser résonner les cordes. L'avantage en solo, c'est que tu vas pouvoir profiter du poids de l'avant-bras. Et ça va te permettre aussi de profiter des harmoniques. Ça va te faire une sorte de réverb naturel. Si tu joues à un plan en sol, par exemple. T'entends? Ça gonfle un peu ton son. Ensuite, contente-toi de gratter avec un niveau d'amplitude qui correspond aux cordes.
va essentiellement bouger le poignet et pas tout l'avant-bras. Tu peux ajouter un peu d'avant-bras si tu veux, mais n'exagère pas. Je te le répète, chacun fait sa pompe à sa façon. Moi, je préfère utiliser le poignet. Mais si un jour tu vois un super pompiste qui utilise de l'avant-bras, eh bien c'est comme ça. Là, je te donne vraiment les conseils de base et j'essaie de ratisser le plus large possible pour que tu aies une vision globale. Et j'essaye en même temps de répondre à toutes les questions qu'on me pose la plupart du temps. Et une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'il faut gratter toutes les cordes ? Ça, c'est pareil, c'est hyper personnel. Parfois, on entend qu'il ne faut pas insister sur les deux cordes aiguës, mais franchement, c'est pas toujours vrai. Si c'est bien fait, ça peut être joli. Si c'est léger. Et derrière Django, dans l'accompagnement, on entend souvent les cordes aiguës. Nous, chez Rosenberg, c'est pareil, ils se privent pas. Donc des fois, tu vas jouer les 6 cordes, des fois, plutôt les graves. En fait, c'est au feeling. Et ça dépend aussi des renversements d'accords que tu utilises. Là, j'utilise 4 cordes parce que c'est la position qui veut ça. Et là, les 6 cordes. Par contre, le truc qu'il faut absolument éviter, c'est de détacher les basses comme ça. De faire un espèce de mélange entre du Brassens et du ska. Donc maintenant, on va voir comment placer les accents. La première étape, ça va consister à jouer tout droit. Au même niveau sonore en fait. Ensuite, tu peux accentuer le 2 et le 4 et ça c'est pareil, c'est assez personnel. Donc ça c'est en fonction de toi, mais ça peut vachement changer aussi en fonction de qui tu joues. Selon l'énergie des musiciens, bah des fois tu vas avoir envie vraiment d'accentuer et des fois d'être plus léger. Donc faut pas être un robot, il faut rester aware. Enfin, tu peux laisser traîner le 1 et le 3. On appelle ça jouer au fond du temps. Surtout quand tu joues en duo guitare, où il y en a un qui fait la pompe et l'autre le solo. C'est bien de laisser traîner le 1 et le 3. En fait, le 1 tu traînes, le 2 c'est sec, le 3 tu traînes, le 4 c'est sec. En fait, le fait de laisser traîner, ça donne l'effet contrebasse. La contrebasse qui va jouer les blanches, ça va donner cet effet. Donc en fait, le fait de laisser traîner, ça permet de renforcer le côté rebond. Bonk, bonk, bonk. Dans la vie, il y a un truc qui s'appelle la loi de l'équilibre ou des opposés. Jour, nuit, vie, mort, ouvert, fermé. Je pense que c'est pour ça qu'on accompagne naturellement un peu comme ça. D'ailleurs, ça fait penser un peu à un battement de cœur. Clac, 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 clac. On ouvre, on ferme. Tu remarqueras aussi que je laisse traîner mon médiator quand je remonte, ça donne l'effet shabada du batteur. Donc sans le shabada, ça fait ça. Avec le shabada, ça fait ça. T'as vu, la pompe, c'est hyper complet en fait. T'as la contrebasse, la batterie, l'harmonie, le piano, t'as tout là-dedans. Donc l'idée, ça va être de faire un bon mélange de tout ça. Des morceaux mineurs.
tiens, il y a un truc aussi que je voulais te montrer. Par exemple, tu vois là, quand j'ai fait un accompagnement sur Daphné, quand j'écoute des versions, je note, tu vois, en fin de cycle comme ça, je me note les rythmes que j'entends, parce que dans mes accompagnements, j'enregistre deux guitares et j'essaye de faire les relances au même moment pour pas que ça soit trop le bordel, que ça soit carré et vraiment puissant. Parce que ça, c'est un truc, c'est le bordel aussi. Des fois en groupe, t'as deux mecs qui jouent pas du tout la même chose et t'entends de tous les côtés clac, 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 clac. Et c'est pas hyper efficace en fait. Voilà, c'était une petite parenthèse. On continue. Je sais plus où j'en étais. Ah oui, la pompe du soliste maintenant. Parce que si t'écoutes bien, Django, quand il prend la pompe, c'est la guerre. C'est un vrai bulldozer. C'est encore un autre type d'accompagnement et on retrouve cette puissance chez Birelli ou Angelo. Ça pousse fort et ça remplit vraiment. Et notamment, j'aime bien quand il fait les petits passages shuffle. Au lieu de faire ça, il va commencer à attaquer comme ça. En jouant assez fort. Ça donne un super effet. En fait, c'est l'énergie du soliste. T'as toujours l'impression qu'il y a un truc qui demande à exploser. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils font ça souvent sur des chorus de violon ou d'un autre instrument, clarinette ou accordéon, peu importe. Mais tu fais pas ça en général pour accompagner une autre guitare. Le violon a beaucoup plus de volume, c'est pas la même tessiture, ça ressort énormément du mix, donc tu peux jouer plus fort. Et d'ailleurs, tu dois jouer plus fort parce que ça fait vraiment monter la sauce. Tu l'entends quand Django prend la pompe. Sur les solos de Grappelli, le morceau il décolle vraiment. Si t'accompagnes comme ça pendant un solo de guitare, tu risques de le bouffer. De toute façon, faut toujours veiller à pas couvrir le soliste, c'est un peu la règle. Alors maintenant, je vais te parler de la pompe moderne, entre guillemets. C'est justement les pompes que tu vas retrouver chez Mathieu Chatelain ou Ono. Je dirais que c'est un peu entre la pompe à l'ancienne et la pompe Django. C'est assez puissant, t'as des bons stops bien placés, des belles relances. C'est un peu des bulldozers, les mecs, c'est très énergique. Alors, un conseil pas des moindres sur la posture intérieure. Si tu penses tous les temps sur des tempos rapides, tu vas suffoquer. Par exemple, là-dessus. Vraiment 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, t'es mort. Au bout de 2 minutes, on appelle le SAMU. Donc moi, j'aime bien penser en balancier, en fait. Comme si je découpais 4 temps, voire 8 temps de chaque côté. Donc ça donnerait ça. Ou sur All of Me. De garder un truc un peu tranquille à l'intérieur. Alors maintenant, comment travailler la pompe? Bah tu reprends tous les conseils que je t'ai donnés, mais le meilleur des conseils que je puisse te donner maintenant que tu as toutes ces infos, bah, c'est de jouer par-dessus les disques. Au hasard, tes disques préférés. Tu prends un temps pour travailler tranquillement au métronome ou pas, et dès que tu peux, tu prends un disque et tu te fais l'enchaînement d'une traite. Moi c'était Angelo, Birelli et Stokelo à l'époque. Mais il y en a plein d'autres, et avec YouTube, t'as vraiment l'embarras du choix. D'ailleurs, n'hésite pas à regarder des vidéos pour voir comment les mecs accompagnent leur voicing, leur relance. Le mimétisme, c'est vraiment une grosse part de l'apprentissage, quelles que soient les disciplines. L'art ne s'apprend pas dans les livres. Bon, bah voilà, hein, je crois qu'on est arrivé au bout. Maintenant, tu en sais beaucoup plus sur la pompe swing. Évidemment, c'est pas un truc qui s'acquiert en une semaine, c'est un gros pavé. Et je te rassure, moi, si je bosse pas la pompe, bah, je régresse. C'est vraiment un truc qu'il faut entretenir. Alors ensuite, je t'ai pas dit, mais il y a d'autres types d'accompagnement en manouche. T'as le boléro. La valse.
peux faire des accords en barré, hein, comme ça. Ça se fait beaucoup. D'ailleurs, quand on dit qu'on joue pas dans les aigus, il y a une position qui est courante, c'est celle-ci, en ré mineur. Tu vois, tu joues pas les deux graves, tu joues juste les aigus. Donc ça a un tout petit son, mais de temps en temps, ça passe bien. Ensuite, tu peux avoir des trucs un peu plus ternaires. Rythmique un peu plus groovy. Etc. Mais le plus gros boulot pour moi, c'est la pompe swing. Comme d'habitude, je te félicite et je te soutiens dans les démarches que tu fais pour ta progression guitaristique. N'oublie pas de t'abonner et de liker et aussi de partager ce contenu si tu le trouves pertinent. Si tu es intéressé pour progresser en technique, en improvisation et devenir un guitariste polyvalent, tu peux télécharger mon guide L'Esprit du guitariste. Ça te permettra de rejoindre la liste email du blog et de recevoir des infos exclusives. Pour progresser, il faut que tu poses les bonnes intentions et que tu fasses les bonnes actions. C'était un plaisir pour moi de faire cette vidéo. Je te dis à bientôt dans une prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Ciao !